Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de partager avec vous la séance qui vient de se dérouler là à l'instant. Une femme de 50 ans qui vient un peu pour travailler sur elle, mais plutôt sur la connaissance de soi, qui a besoin de mieux se connaître, de mieux connaître ses besoins, ses envies. Sa face cachée pour aller mieux parce que en fait elle trouve qu'elle a une vie un peu monotone et c'est vrai que 50 ans c'est l'âge où on se remet en question, où les enfants ont grandi et on se demande un peu quel est le sens de la vie là, quelles sont nos nouvelles missions, nos nouveaux objectifs. Voilà, donc on a travaillé sur les valeurs de vie, c'est ce qui est important pour nous dans la vie. Et c'est intéressant quand même de se poser ce genre de questions. Donc il y a un outil, un test sur le blog pour vous aider à trouver une première piste de réflexion sur les valeurs que vous pouvez retrouver, hein, je vous remettrai le lien. Maintenant, bon, ça peut être compliqué parce que c'est le choix du bon mot. Voilà, j'ai déjà fait un article la semaine dernière là-dessus sur la liberté qui peut être un mot un peu trop générique. Et en fait, ce que je lui expliquais, c'est que c'est une façon aussi de travailler et de découvrir ses valeurs, c'était de s'interroger, de se rappeler de nous enfants. Comment on était quand on avait 7-10 ans, vous voyez cette tranche d'âge-là où on est un peu dans l'insouciance, on est un peu. Voilà, comment était votre chambre, comment était la déco de votre chambre, qu'est-ce que vous aimiez au niveau littérature, film, série, voilà, quelles étaient, je sais pas, la musique, les chanteurs que vous écoutiez, les couleurs, c'est très important, les couleurs nous donnent beaucoup d'informations. Voilà, et ça vous permet à partir de là d'identifier un univers et derrière cet univers, eh ben, on a une valeur. Alors, par exemple, c'est ce que je vous montrerai là. Moi, quand j'étais enfant, et c'est quelque chose qui reste très imprégné dans ma vie tous les jours, j'adorais la danse classique, je faisais de la danse classique, j'adorais les tutus. J'avais un poster de David Hamilton. Alors bon, c'est vrai que vous voyez, je l'écorche en le disant tellement maintenant c'est moins beau, hein, quand on sait tout ce qui s'est passé. En tout cas, cet univers-là des tutus, de l'opéra, des pointes, c'est quelque chose que je trouve toujours aussi beau. J'étais aussi beaucoup dans Sarraquet. J'étais aussi dans La Petite Maison dans la Prairie. Voilà, c'était un peu ça, la discussion qu'on avait tout à l'heure à identifier tout ça. Et je me suis rendu compte que voilà, j'aimais aussi actuellement beaucoup le Liberty, la dentelle. Et en réfléchissant à tout ça, je me suis dit, mais alors, qu'est-ce que je vais chercher derrière ça? Quand je vois mes dessins, les gens me disent que voilà, on est dans de la douceur. Et le mot douceur, ça me convient pas plus que ça, même si effectivement, je cherche de la douceur dans la vie. Il y a un côté péjoratif dans le mot douceur qui me dérange. Et je crois que ce matin, en réfléchissant avec cette patiente et en échangeant sur sa façon de voir les choses et sur voilà, en expliquant, voilà, moi par exemple, cette notion-là, je crois que j'ai trouvé le mot. Et le mot précis, c'est délicatesse. Voilà. Et je pense que ce que j'aime et ce que je recherche dans la vie, c'est de la délicatesse dans la recherche du beau. Dans mon look, dans ma déco, dans ma façon d'être. Je pense que je suis une personne délicate, mais délicate aussi avec les autres. Voilà, enfin, oui, c'est ça le mot, c'est ça les valeurs. Et en fait, c'est un exercice, si vraiment on le fait correctement, qui peut être difficile parce que c'est trouver le mot exact. Et je trouve qu'il y a énormément d'écart entre la délicatesse et la douceur. Voilà. Et quand on commence à avoir le mot précis, eh bien, il nous vient des espèces de paradoxes.
Parce qu'effectivement, moi, je pense que je suis là-dedans. J'ai un côté très délicat, très dans la finition. Vous voyez, j'aime la broderie, la dentelle, voilà, des choses comme ça. Et en même temps, il y a toujours une partie de moi cachée qui, des fois, se manifeste et qui est dans l'opposé de ça. Au niveau de la musique, par exemple, je vais avoir envie d'écouter des choses, des fois, un peu qui sont un peu plus musclées, on va dire. Au niveau de mon look, vous voyez, voilà, on était sur les lunettes. La délicatesse, les couleurs que j'aime dans la délicatesse, ça va être des couleurs pastel, ça va être le vieux rose, le gris. Mais par moments, j'ai aussi besoin d'une petite touche comme ça de fantaisie, de peps, de trucs qui réveillent. Voilà, j'ai envie de dire qui réveillent, parce que la douceur, voilà, c'est un côté un peu comme ça, lenteur qui plombe, je trouve. Et dans ma façon d'être aussi, par moments, j'ai un côté un peu brut. Je suis un peu bourrin. Mes enfants vous diraient que je suis un côté bourrin, qui semble être un peu génétique, parce que quand je vois ma mère et ma grand-mère, voilà, et un côté, par moments, il faut que ça passe, quoi. Donc, ben, on va bourriner, mais ça passera. Et donc, c'est aussi intéressant d'aller voir ces côtés-là de nous et de voir. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Et quel est l'autre mot qui atténue pour trouver un bon équilibre dans tout ça? Voilà, je ne sais pas si tout ce que je vous raconte est clair, mais en tout cas, c'est ce que j'avais envie de partager là dans l'instant, parce que cette séance était super riche et qu'en expliquant ça à cette patiente, eh bien, ça l'a fait tilter sur plein de choses. Et par exemple, au niveau de son look, c'est quelqu'un qui est assez timide, un peu réservé et qui voudrait un peu plus s'affirmer. Et au niveau de ce look, on s'est rendu compte qu'elle avait des couleurs plutôt ternes. Elle était dans un camaïeu de bleu, de kaki, enfin voilà. Et qu'il fallait une petite touche un peu, voilà. Elle s'est rendue compte de ça et en fait, elle avait tout simplement sous son pull un t-shirt jaune, mais qu'on voyait un petit peu. Et l'idée, c'était, mais est-ce qu'il ne faut pas oser un peu plus ce t-shirt jaune? Bah, peut-être que ça peut être son pull, ou peut-être que c'est un pull jaune, c'est trop. Peut-être que ça peut être bah, juste des boucles d'oreilles, ou peut-être juste un accessoire, un foulard, ou peut-être on est arrivé à cette idée de lunettes, parce qu'elle doit changer ses lunettes. Et donc, pourquoi pas mettre cette touche-là sur un accessoire? Donc voilà, je la revois au mois de mai, on verra si elle a osé, mais réfléchissez à tout ça. Posez-vous toutes ces questions. À bientôt!